Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, la critique du jeu Fez sur le XBLA, temps perdu. Retro and Magic sur Privateer. Merci Dedo. Mais on regarde les news. Yeah! Reason 2 Dark Waters, dont la critique sera bientôt diffusée dans 101%, vient d'accueillir deux DLC sur PC, L'île au trésor et Tenue pirate. Ce dernier, téléchargeable pour environ 3€, fournit une nouvelle tenue complète, dont une bague spéciale augmentant de 5% son expérience. L'île au trésor, lui, coûte pas moins de 10€ et vous lancera sur la piste du trésor du capitaine Barbe d'Acier. Cette mission s'inscrit également dans une intrigue développée dans le premier Reason pour lui apporter une conclusion. Vous serez accompagné à cette occasion de Patty, la fille de Barbe d'Acier, pour explorer un tout nouvel environnement avec à la clé une amélioration des compétences de son personnage. Reason 2 Dark Waters est disponible dès maintenant sur PC, les versions PS3 et Xbox 360 étant quant à elles annoncées pour le début du mois d'août. Après 4 longs mois de silence sur leur blog, les développeurs japonais du studio indé Nigoro ont donné signe de vie. Pour rappel, ils développent en ce moment sur WiiWare et PC un jeu de plateforme exploration puzzle rétro appelé La Moulana. Inspiré de vieux classiques du MSX comme King's Valley et rappelant quelque peu Rick Dangerous, ce titre n'en finit plus d'être repoussé. Nigoro a donc fait un point pour s'excuser et nous apprendre, petit 1, que la version WiiWare était entre les mains de son éditeur, Nicalis, qui s'était déjà chargé d'éditer l'excellent Cave Story sur WiiWare, mais qu'il n'avait pour le moment aucun retour de leur part et qu'il ne pouvait donc s'avancer sur une date de sortie. Petit 2, que la version PC était quasiment terminée et en phase de débugage intense et qu'elle serait bel et bien téléchargeable en dehors du Japon. Entre deux excuses, ce qui ressort de ce poste, c'est que la version PC a toutes les chances de sortir avant la version WiiWare, que l'on attend pourtant depuis plusieurs années. On souhaite en tout cas à Nigoro de nous pondre une petite merveille susceptible de rencontrer le même succès qu'un Fez ou un Super Meat Boy. La grosse fuite de fin de semaine dernière nous parvient d'Ubisoft. Le trailer de Rayman Legends a en effet atterri sur la toile et il semblerait bien qu'il s'agisse d'une bévue et non d'une astuce de communication. Car non seulement cette vidéo nous en apprend plus sur la suite de Rayman Origins, mais en plus elle révèle quelques-unes des fonctionnalités de la Wii U que Nintendo réservait sans aucun doute à sa conférence pré-E3. Quoi qu'il en soit, nous, ce que l'on voit avant tout, c'est un superbe jeu de plateforme, plus rapide, plus rond, plus fantasy, doté d'effets de lumière encore plus travaillés et de nouveaux personnages. À l'image de cette guerrière viking, qui n'est pas sans rappeler l'héroïne du prochain long-métrage Pixar, Rebelle, qui sortira en salle le 1er août prochain. Jouable en ligne, Rayman Legends inclura des mini-games, comme ce pseudo-jeu Trouble-Ball, mais aussi des défis sociaux que l'on pourra se lancer entre amis. La version Wii U proposera une interaction in-game du joueur utilisant la mablette tactile comme la possibilité de surélever les plateformes afin de permettre aux autres joueurs équipés de Wiimote d'avancer dans les niveaux. Car le jeu sera bien évidemment jouable en coop jusqu'à 4, tout comme Rayman Origins. Espérons simplement que cette fois-ci, à 4, le framerate ne se prendra pas un méchant coup du lapin. Et puisqu'on parle de lapin, on vous laisse savourer la fin de cette vidéo qui dévoile visiblement une nouvelle possibilité offerte par la mablette tactile. En posant une figurine sur l'écran, on pourrait déclencher des effets in-game spécifiques comme une pluie de cœur, une invasion de lapins crétins et autres surprises. On pense bien sûr à ce que proposait le jeu d'Activision Skylanders avec son socle et ses figurines bien réelles que l'on pouvait activer dans le jeu. Mais là, si l'on en croit cette bande-annonce, n'importe quelle figurine pourrait être utilisée et pas seulement des jouets conçus pour le jeu. Bon, là on s'emballe peut-être, mais on peut rêver. En tout cas, vivement le 3. Je me suis acheté une PS Vita et truc de fou, c'est que j'ai un jeu dessus sur lequel je joue tout le temps. Et c'est un peu la honte parce que finalement, il n'y avait pas besoin d'une grosse capacité graphique. Je joue beaucoup à Treasure of Montezuma Blitz. Treasure of Montezuma Blitz. Merci Dedo. C'est un jeu, en fait, c'est Columns. Mais sauf que c'est avec le doigt, et puis des fois vous pouvez tapoter derrière et tout ça. C'est un jeu qui est en téléchargement gratuit, donc que demande le peuple. Maintenant on regarde la critique de Fez, et les Fez, c'est cool, c'est comme les Stenson.
Il y a encore quelques années, seule une poignée de titres comme Ico, Bioshock, Shadow of the Colossus, Rez ou Okami, pour ne prendre que quelques exemples, alimentaient l'éternel débat « Le jeu vidéo est-il un art ?» Aujourd'hui, nous avons les jeux issus de la scène indépendante. Flower, Braid, Super Meat Boy, Limbo, Cave Story, Lost Wings, Journey, Beatrepreneur, Pixel Junk Shooter, Minecraft ou encore Machinarium, pour n'en citer que quelques-uns. Une liste prestigieuse à laquelle nous ajoutons aujourd'hui le jeu d'exploration plateforme puzzle Fez. Ces titres ont tous un point commun. Ils sont téléchargeables, que ce soit sur PC, Xbox Live Arcade, Sony Entertainment Network ou sur WiiWare, et originaux. Pas de suite dans cette énumération, ou très peu, et tous se présentent comme des IP originales pour reprendre le jargon des éditeurs, soit des jeux dont l'univers et les personnages ont été créés pour l'occasion. Mais l'originalité de leur background, de leur direction artistique, voire de leur mécanique de gameplay, s'accompagne souvent de nombreux clins d'œil des jeux cultes, ou à des genres précis dont les développeurs se sont amusés à brouiller les délimitations. Car qui dit scène indépendante dit peu de moyens et équipe réduite. Enfin, dans la plupart des cas. Ces jeux sont donc motivés avant tout par la passion et les développeurs donnent tout ce qu'ils ont en les créant. Leur argent, en tout cas au début, leur temps, leur santé parfois, mais aussi leurs références. On ne développe pas un jeu durant 5 longues années sans y mettre un peu de soi. Et lorsque l'on est passionné de jeux vidéo, eh bien on rend hommage aux titres qui nous ont marqués ou à ceux qui ont illuminé notre enfance. Fez, designé par le désormais célèbre Phil Fish, l'une des stars du documentaire Indie Games The Movie, multiplie ainsi les clins d'œil. Zelda, Mario, Tetris, ou tout simplement la glorieuse époque des bugs d'affichage, occasionnant un bon gros plantage des familles et un retour par la case BIOS. Mais ces clins d'œil ne le fichent pas pour autant dans le passé. Fez se présente comme un jeu rétro, certes, mais définitivement moderne et empreint d'une rare maturité. Le jeu débute dans un village dont les habitations sont juchées sur une colline suspendue dans les airs. Vous dirigez Gomez, une petite créature humanoïde toute blanche, délicieusement animée, qui reçoit une lettre d'un de ses voisins, Geezer, l'invitant à le rejoindre en haut du village. Sur son chemin, il croisera d'autres villageois, avec lesquels il sera possible d'engager le dialogue. L'un d'eux lui déclare « Quelle est ta forme préférée ? Moi, c'est le carré, pas le cube. Ah ça c'est sûr, puisque ça n'existe pas. » Cette négation de la troisième dimension est au cœur du jeu. Parvenu en haut du village, il retrouve le vieux Geezer avec sa canne, son bandeau sur l'œil et un petit fez rouge sur le crâne, le couvre-chef traditionnel des Marocains. Le vieil explorateur annonce que le jour est venu pour lui de passer le relais. Au-dessus du village apparaît alors l'impossible, un cube. Un cube qui tournoie sur lui-même en prenant de la vitesse pour finalement téléporter Gomez dans un mystérieux endroit où il entame un monologue dans une langue inconnue avant de lui offrir un fez rouge tridimensionnel. Et c'est ainsi que Gomez devient un explorateur multidimensionnel. Souvent comparé à Paper Mario, Fez n'en propose pas moins un gameplay très différent. Ici, il n'est pas question d'évoluer dans des niveaux affichés en 3D. Tous vos déplacements s'effectueront sur des plans 2D. En utilisant les gâchettes, Gomez peut néanmoins switcher sur les quatre faces des niveaux, via de rapides transitions, révélant brièvement leur aspect tridimensionnel. Il peut ainsi voir un bâtiment devant, derrière et sur les côtés, dévoilant du même coup des portes cachées et tout un monde jusque-là invisible à ses yeux. À partir de cette mécanique, Phil Fish a créé des puzzles plus ou moins complexes, allant du simple objet caché sur l'une des faces, à des manipulations plus ésotériques, nécessitant de décoder les runes gravées sur certains éléments du décor. Ce monde multiface fut également l'occasion de concevoir des phases de plateforme obligeant le joueur à visualiser un level dans son ensemble, c'est-à-dire en prenant compte de toutes les dimensions. Agréable à manier et bénéficiant d'une animation soignée, Gomez peut se suspendre à des plateformes, s'agripper aux lierres qui couvrent certains murs et bien sûr sauter. Plus importante que dans un jeu de plateforme Mario, l'inertie du personnage devra être domptée, histoire de ne pas multiplier les chutes mortelles. Gomez est une créature fragile, et s'il tombe de trop haut, il s'écrasera au sol pour immédiatement repopper à l'endroit où il s'est loupé. Il est en effet impossible de mourir, et aucun ennemi ne viendra freiner votre progression, le challenge proposé par le jeu se situant à un tout autre niveau, localisé juste au-dessus de vos sourcils.
Votre objectif consiste à récupérer 32 cubes qui vous permettront d'ouvrir une porte menant à la conclusion du jeu. Certains cubes sont explosés en 8 petits morceaux qu'il faudra collecter pour former un cube complet. À ces 32 cubes normaux s'ajoutent 32 anti-cubes qui n'apparaîtront que sous certaines conditions. Si vous avez, disons, 28 cubes et 4 anti-cubes, alors vous pouvez foncer vers la sortie pour terminer Fez une première fois. Ce qui débloquera une surprise indispensable à la finition totale du jeu ainsi qu'un mode New Game Plus. Précisons de suite que ce dernier ne vous obligera pas à tout refaire pour simplement vous permettre de poursuivre votre exploration là où vous en étiez. On ne va pas trop parler des puzzles les plus complexes du jeu, qui nécessiteront impérativement de sortir votre calepin pour griffonner des symboles afin de tenter de les déchiffrer, ou tout du moins de saisir leur logique, sachant que les indices sont dispersés un peu partout dans le monde. L'exploration et l'observation seront donc vos priorités. L'univers de Fez étant à l'image de sa carte, regardez un peu, soit un enchaînement de hubs gigantesques et de niveaux plus petits. Une porte peut ainsi tout aussi bien mener à une pièce qu'à un nouveau niveau avec d'autres portes, menant elles-mêmes à d'autres niveaux et ainsi de suite. On se perdra ainsi très souvent et les premiers pas dans le jeu s'avèrent étrangement oppressants. Fez brise en effet volontairement la linéarité à laquelle la plupart des titres actuels nous ont habitués. Pour aller jusqu'à nous donner un guide, un petit cube, appelé Dot, s'avérant rapidement incapable de nous aider. Contrairement à la fée Navi de Ocarina of Time, Dot ne sert à rien, ou presque, et se contente simplement d'afficher une ignorance goguenarde. Heureusement, la carte, aussi complexe soit-elle, précise clairement ce que l'on peut espérer trouver dans chaque zone visitée à l'aide d'icônes. Que ce soit un cube, une porte fermée à clé, un téléporteur, un trésor, ou encore une énigme identifiée par un point d'interrogation. Une fois qu'une zone a été retournée, elle prend une teinte dorée, ce qui permet de s'y retrouver très simplement avec un peu de pratique. Outre la carte, on peut accéder à un inventaire qui comprend vos cubes, anti-cubes, des cartes au trésor, ainsi que des artefacts ultra mystérieux. Le plaisir éprouvé en jouant à Fez est multifacette, comme ses niveaux. Il est rare qu'un jeu nous lâche ainsi totalement dans la nature, sans assistance ni chemin fléché. Plus qu'un jeu d'exploration, Fez est un jeu d'explorateur. Le gameplay est également multicouche, et seuls les joueurs les plus persévérants pourront en apprécier toute la saveur et percer ainsi la matrice du jeu. Car si l'objectif de base est imbête, trouver les cubes, on se rend compte bien vite que Fez a bien plus à offrir que des cubes et des portes à ouvrir pour dissimuler une quête ambitieuse et mystique qui rappellera aux fans de SF le chef-d'œuvre Flatland, écrit par Edwin Abbott en 1884. Visuellement, les environnements rétro tout en pixels sont un émerveillement pour les yeux, ou du moins pour tous les joueurs appréciant le pixel art et des univers comme ceux de Cave Story ou du peu connu Where's My Heart, sorti en 2011 dans les jeux téléchargeables de la catégorie mini sur PS3. Le travail sur les bruitages et les ambiances sonores du jeu contribue aussi énormément à l'immersion du joueur, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans certains puzzles. La bande originale, composée par Disaster Peace, alias Ridge Vreeland, est une petite merveille électro-ambiante qui peut être téléchargée sur le site officiel du compositeur. On vous conseille la 11e, Sync, la préférée de l'auteur de cette critique. Unique, Fez l'est incontestablement, même s'il rend un hommage évident aux séries Super Mario et The Legend of Zelda. Imparfait, il l'est également. Techniquement, ce titre dématérialisé est décevant, malgré ses 5 années de développement et le soutien à la fois de Microsoft et du studio Trapdoor en fin de production. Les transitions entre les niveaux affichent des lags importants, et ces derniers étant aussi constatés lors des autosaves. En fait, plus on joue, plus l'animation semble peiner. Plus grave, Fez souffre de bugs, des vrais, renvoyant à l'interface de la Xbox et non dans un faux BIOS hommage au passé. Une ironie qui aurait pu faire sourire si certains joueurs, assez rares heureusement, n'avaient pas vu leur sauvegarde corrompue. Renaud Bédard, le programmeur du jeu, devrait avoir réglé ses problèmes avec l'aide de Microsoft via un patch au moment où vous verrez cette critique. Fez est un titre que tout fan hardcore de Zelda se doit d'essayer, simplement pour explorer un monde que jamais Miyamoto et ses équipes n'auraient osé imaginer. J'ai découvert une série, en fait, Monsieur Poulpe a découvert une série qu'il m'a fait découvrir, c'est Homeland. Homeland. C'est une très, très, très bonne série américaine qui parle un petit peu, comment dire, en gros, c'est la CIA qui recherche des gens qui vont faire des attentats, d'accord ? Et là, on apprend qu'il y a un agent américain qui a été retourné. Et
qui va essayer de faire un attentat. Mais on ne sait pas quel est l'agent américain. À ce moment-là, il y a un agent américain qui est libéré et qui revient aux États-Unis. Et là, on se dit, mais c'est peut-être lui ou c'est pas lui. Et tu dis, quand tu regardes le premier épisode, tu dis, ils ne peuvent pas tenir 12 épisodes avec ce truc-là. Et les mecs, ils tiennent 12 épisodes et à la fin, ils font même un cliffhanger où tu fais, oh, je veux la saison 2. Franchement, regardez, Homeland, Land. Ça va? Land, Homeland, temps perdu. Bonjour. Vous sentez mauvais dans la bouche et votre tube de dentifrice a décidé que non, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? En attendant la semaine prochaine, bienvenue dans Temps Perdu! Ouais, you! Aujourd'hui, je me sens bien. Je ne sais pas si c'est la perspective de retrouver les excréments de mes chats ou les sirènes de pompiers de Paris, mais je suis en joie. Je ne sais pas, le plaisir simple de pianoter sans but sur un clavier, celui de lire quelques articles de certains journaux étrangers, ou celui de rire devant les mêmes en français. Et ainsi, submergé par cette déferlante de bonne humeur, je n'ai qu'une envie, vous faire partager cette vague d'allégresse. Par contre, faisiez gaffe, parce que du coup, je me prends à aimer un peu n'importe quoi, comme Castle Tales, par exemple. C'est vrai que c'est quand même un peu simpliste comme concept. On fait disparaître des blocs pour que les personnages rigolos, ils tombent dans des warps. Mais justement, ils sont rigolos, mignons, kawaii tout plein, et ils sourient tout le temps. Et ça, bah, ça me donne plein de folichonneries, comme disent les mecs de camp. Et ce qui me remplit d'allégresse, ce sont aussi les suites réussies. Comme ce merveilleux troisième épisode de Achievement Unblocked. C'est tout pareil, mais en super mieux. Il y a notre éléphant bleu qui saute partout et qui, au moindre truc un peu idiot, remporte un achievement sur les 400 que comporte le jeu. En plus, maintenant, il y a un mode histoire qui sert à rien, si ce n'est à ajouter un peu de drôlitude à l'ensemble. Et ça, bah, c'est super, et vous savez quoi? Ça me fait sourire. Après, comme je suis vieux, j'aime bien les trucs qui me rappellent d'autres trucs de quand j'étais pas vieux. Quand j'étais jeune, quoi. Moi, sur mon Amstrad, j'aimais bien Rampart et Rampage. Eh ben, Rampage, ça m'y fait furieusement penser. Bah oui, un dinosaure vert, des immeubles à casser, bah c'est tout pareil. Ça manque un peu de singe et de loup-garou géant, mais c'est ça. Alors du coup, devenez quoi? Ça me rend tout euphorique. Et que dire de l'enchantement que l'on ressent lorsque l'on voit un concept que l'on aimait déjà devenir ce qu'il méritait, un super jeu qui n'en est bien cool. Car oui, si l'on doit comparer ce nouveau Tellsworth Adventure à son ancêtre, il faut bien avouer qu'il s'agit presque de la même chose. Il s'agit toujours de mettre sur la route de notre barbare de héros différents objets qui attireront son attention et qui ainsi lui éviteront de tomber dans des pièges grossiers. Mais, car il y a un mais, cette fois c'est avec des oligraphismes et un scénario rigolo. Et si on a aimé l'original, on ne pourra qu'aimer cette nouvelle version. Et ça, ça me réjouit au plus haut point. Et ce qui m'emplit le plus de liesse, d'exaltation, d'hilarité et de ravissement, c'est quand je tombe sur un jeu déjà super sympa qui me permet de découvrir plus de 1000 autres jeux bien cool. Ainsi, Rambo Last Blood m'a bien fait rigoler. Ici, Rambo est mort et doit, pour atteindre le paradis, retrouver ses anciennes victimes pour leur faire des bisous. Mais Rambo Last Blood, c'est aussi l'un des nombreux projets proposés pour la Molly Jam 2012. C'est un peu étrange car actuellement le site semble être fermé, mais en utilisant les mots-clés, vous devriez être en mesure de retrouver les différents jeux sortis à cette occasion. Et l'avantage de la Molly Jam, c'est que cela m'a remis sur la piste de la Ludumdare 23. Cette année, plus de 1400 bonheurs ont été enregistrés sur le site, ce qui, n'en doutez pas, sera pour tous une véritable source intarissable d'ivresse, de félicité et d'euphorie. Et intarissable, ça veut bien dire ce que ça veut dire? Oui. Vous pourrez y passer des heures et des jours, et ça, vous l'avez sans doute déjà compris, ça tombe super bien vu qu'il faudrait quand même ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouez plus. Un autre truc que j'ai découvert, enfin qu'on m'a fait découvrir, c'est Caribou, s'il regarde, merci. C'est Tim et Eric, c'est des comiques américains qui font du sketch, mais alors, mais... j'ai jamais vu un truc aussi fou.
que Tim et Eric, dans le montage, dans les ralentis, des fois il y a juste des gros plans où ça fait des... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment est fabriqué un sketch de Tim et Eric, mais allez découvrir, c'est vraiment extrêmement drôle. Ils sont parfois dans Funny or Die, mais ils ont aussi leur propre show, c'est Tim et Eric, Good Job. J'ai oublié des trucs entre. Bref, maintenant c'est Retro and Magic de Privataire. Ghostbusters. Ghostbusters. Merci Dedo. Eugene Jarvis est un game designer américain connu pour ses jeux d'arcade à l'action échevelée. Ayant fait ses débuts en tant que concepteur de flipper, Jarvis se lança dans le jeu vidéo en 1980 avec Defender. Mais c'est avec Robotron 2084, deux ans plus tard, que Jarvis commença à imposer son style. Robotron 2084 est un jeu d'action de type run and gun. À la fin du 21e siècle, les robots ont pris le contrôle de la Terre et ont entrepris l'extermination de la race humaine. Le joueur incarne un humain génétiquement modifié, un super soldat dont la mission est de sauver la dernière famille humaine avant qu'elle ne soit éradiquée par les robots. Chaque niveau est en réalité un unique écran. Des vagues de robots de différents types surgissent de tous les côtés. Le joueur doit naviguer entre ses ennemis, atteindre les humains rescapés pour les sauver, tout en blastant tous les robots. La particularité de Robotron est que la direction du tir est gérée indépendamment de la direction dans laquelle se déplace le joueur. La borne compte 4 touches de tir, chacune correspondant à une direction de tir. Trépidant, Robotron 2084 demandera au joueur des réflexes d'acier. Let's go! Quelques années plus tard, Eugene Jarvis réalise un run and gun en scrolling horizontal qui fera grand bruit, Narc. Malheureusement, si Narc fait parler de lui, ce n'est pas à cause de ses qualités ludiques assez faibles, mais à cause de son ultra-violence. C'est d'ailleurs l'un des premiers jeux à avoir essuyé de vives critiques à cause de sa violence graphique, qui semble pourtant bien anodine aujourd'hui. Jouable à deux simultanément, Narc prend place dans les rues de Washington DC. Les joueurs incarnent deux flics, Max Force et Hitman, qui se lance dans une guerre contre le trafiquant de drogue Mr. Big. Dans les faits, cela consiste à avancer dans les niveaux en tirant sur tout ce qui bouge pour détruire les labos clandestins et saisir la drogue. On notera qu'il est possible d'arrêter les dealers plutôt que les tuer, ce qui rapporte d'ailleurs davantage de points. Comme quoi, il y a une morale. Dans certains niveaux, on pourra même monter à bord de véhicules. A noter que Narc est également l'un des premiers jeux à utiliser des sprites créés à partir de photos numérisées, une technique qui sera reprise notamment par Mortal Kombat quelques années plus tard. Ce qui n'est guère étonnant quand on sait que John Tobias et Ed Boon, les créateurs de Mortal Kombat, furent les disciples de Gene Jarvis. En 1990, Eugene Jarvis continue sur sa lancée en proposant Smash TV. Héritier direct du gameplay de Robotron 2084, Smash TV se déroule en 1999. Le joueur participe à un jeu de télé-réalité rappelant Running Man. Pour remporter le gros lot, il faudra être le seul survivant. La maniabilité reprend le concept des 4 boutons de Robotron, chacun associé à une direction de tir. Le jeu est toutefois plus riche avec une grande variété d'armes, d'ennemis et de bonus à ramasser. De temps à autre, le joueur se voit proposer le choix entre différents chemins, histoire de briser la linéarité du titre. Simple et addictif, Smash TV pète de partout et s'avère extrêmement fun. L'ambiance électrique de Smash TV a marqué les esprits et en a fait un grand classique du run and gun. La société Williams ayant été rachetée par Midway, c'est donc sous le label Midway que sort la pseudo-suite de Smash TV, Total Carnage. Pseudo-suite car le gameplay est dans la droite lignée de celui de Smash TV, mais l'univers n'a rien à voir. Une fois de plus jouable à deux, Total Carnage met en scène les soldats du Doomsday Squad, Captain Carnage et Major Mayhem, qui sont envoyés au Moyen-Orient pour contrecarrer les plans diaboliques d'un dictateur, le général Agboob. Agboob a pris en otage les reporters venus couvrir le conflit, après que ceux-ci ont découvert qu'Agboob créait des mutants dans ses usines secrètes. Pas question d'attendre de voir si Agboob a des armes de destruction massive cachées, le Doomsday Squad passe à l'action.
De la même manière que dans Robotron, on devait sauver une famille humaine, dans Total Carnage, il faudra secourir les journalistes prisonniers. Over here. Si dans Smash TV, l'action était confinée à une succession d'écrans, dans Total Carnage, ce genre de niveau est alterné avec des séquences de scrolling dans la plus pure tradition d'Ikari Warrior. La linéarité inhérente à ce type de jeu est également brisée par la présence de warp zones, de chemins alternatifs et de niveaux secrets débloqués en ramassant des clés dans les niveaux. Une fois de plus, l'action échevelée de Total Carnage en a fait un grand succès en arcade et plus tard sur console de salon. Eugene Jarvis est un game designer controversé, mais ses créations violentes et irrévérencieuses n'en étaient pas moins fun et ont fait le bonheur de nombreux amateurs d'arcade. Voilà, ce 101% est terminé. Je vous dis au revoir et comme on le dirait au pays de la Tamise, goodbye. Goodbye. Goodbye.